Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de La Famille Gothique. On est en compagnie de Dina qui vient de donner naissance à Aloïs Gothique et je n'ai aucun lit de bébé, donc on va remédier à ça. Et qu'est-ce qui se passe ici concrètement? Il se passe que Vladimir Gothique n'a plus de sentiments pour sa femme après qu'il l'ait chopé au lit avec Don Lotario. Mais ce dernier est un connard aussi, parce qu'il a eu une aventure avec Nina Caliente. D'ailleurs, il a présentement envie de la draguer. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Elle a envie de draguer Don. Et Alexandre Gothique, il a envie de faire le mur avec Jennifer. Parce que dans l'épisode précédent, on avait fait la rencontre de Jennifer Godin, qui est devenue notre pote et qui nous plaît beaucoup. On est pote avec Brenda Asek aussi. C'est vrai, j'avais oublié. On a toujours un lézard qui s'appelle Mimi. Est-ce qu'on n'irait pas s'acheter une petite console portable? Est-ce qu'on n'irait pas s'acheter une petite console portable et ce serait une excuse pour aller parler avec Jennifer? Moi, je pense qu'on peut faire ça. On peut changer d'apparence aussi, hein, parce que ça va pas du tout, cette coupe de cheveux. En fait, Alexandre, il a une tête tellement particulière. Je trouve que sa tête... Non, on va pas mettre ça, hein. Mais je trouve que sa tête, elle est vraiment hyper originale pour un personnage maxis et j'apprécie beaucoup. J'aime bien sa petite gueule. Bon bah c'est très bien ça. C'est exactement sa coupe de cheveux, mais juste c'est un CC donc j'ai l'impression que c'est plus beau. On va acheter des poissons. Maintenant qu'on a plus le bug des poissons, il faut acheter des poissons là, ça va pas. Ils sont trop beaux. Il y a des Nemo et tout. Je suis pas sûre qu'ils puissent tous cohabiter hein, entre eux. Je pense que les gros dans la vraie vie ils bouffent les petits. Mais après c'est que mon avis. Allez hop, c'est parti. Elle a envie d'aller acheter des vêtements. Bah on va pas y aller tout seul. Hein. On va y aller avec Dina, du coup. Elle a pas l'air hyper enchantée de sortir avec Alexandre. Non, elle est pas là, Jennifer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Bon, c'est pas grave, on va s'acheter quand même une console de jeu. Prendre une photo. Je suis pas sûre que Alexandre Gothique soit hyper chaud pour prendre une photo avec toi. Donc vas-y toute seule. La petite console de jeu passe bien. Commander un café. On va prendre une photo normale. Moi, je pense qu'on pourrait aller s'acheter des fringues. Parce que on n'a pas encore bien profité du fait qu'on est quand même devenu Dina fucking gothique. Donc, il est temps de se faire plaisir. On va s'acheter des pyjamas aussi. Hop là, on fait des petits achats. Et moi, je pense que cette robe, elle est vachement belle. Quoique, je sais pas... Elle clip de ouf sa robe hein, quand même. Bonjour madame. Je ne sais pas me décider. Eh ben on va se rentrer hein, après cette session shopping. Arrête de geeker. Bon moi je pense que Vladimir il serait du genre à pas du tout s'occuper de son gosse. De toute façon il est même pas vraiment hyper sûr que ce soit le sien. Et puis il est en colère contre sa meuf. On va appeler Nina Caliente. Et on va lui dire de rappliquer son cul. Oh non. Ah, le pauvre! Le problème, c'est que je veux pas le saquer, en fait, ce manoir gothique. C'est compliqué, là, présentement, pour moi. C'est moche, en fait. C'est pas beau. On va inviter Nina. Quelle bonne idée, j'arrive tout de suite. Mais c'est génial, ça. On lui va se doucher. On se fait un peu chier, hein, quand même. Tiens, on va saluer. Salut, Dina. Nina, ouais, elle. Tous les tuyaux boursiers ne sont pas bons à prendre. Votre foyer a perdu... 8578 flous en bourse aujourd'hui, mais quoi? Oh mon dieu! Non mais vous avez raison, faites ça en face de la porte vitrée. Je t'emmerde. Oh là là, quel beau tableau. Je pense que Vladoche, il est plus à sa prêt et maintenant tout ce qu'il veut c'est faire chier sa femme. Alors du coup, il va aller wouhou avec... Nina, allez-y. Je sais même pas si ça va la faire chier en fait. Hop là. Super. Fantastique. Vraiment super. Ah, sa première réaction c'est d'aller boire un coup. Mais non. Attaque-le, wesh. Et elle aussi. Non. Si, par contre, si il y arrive. Je pète un scandale. Oh, mais quoi? Hop là, voilà, voilà, bien fait pour ta gueule.
C'est moi qui crée ces situations-là, puis après c'est moi qui dis bien fait pour ta gueule. Allez, c'est parti, c'est bon. On va se venger. On va inviter Don Lotario. Dina se réfugie dans l'alcool. Pourquoi y a Kirin Ebert qui nous appelle? Y a pas eu assez de catastrophes comme ça. Non mais putain, ça y est, c'est parti. C'est parce que les tombes elles ont disparu, c'est ça? Je vais refaire cette pièce en nursery slash chambre d'enfant. Oula, mais il pue là le Dunlot. Très cute. Se faire saluer, bah oui, tu m'étonnes, casse-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est la colère qui t'a réveillé. Bon, quand est-ce qu'il crève? Et je suis désolée, hein, mais la famille gothique, vraiment, j'y arrive pas. Appelez les transports. On va sortir un petit peu avec Jennifer là, on va bousculer la routine. Ils sont kiki. Ils sont trop mimi. Ils racontent des ragots sur sa propre sœur, mais quel trou de balle! Commander un verre, mais non. Enfin, paye un café à ta copine, en fait. Non mais lui, il vient de gratter un gâteau à qui? Et pourquoi vous mangez pas ensemble? Demande-lui une date au lieu de faire le con, là. Oh, ils sont kiki, il a l'air si mal à l'aise. Mot d'amour. Allez, zouf. Vas-y, Alexandre. Ils sont kiki. Non, mais reviens. Oh, mais putain, mais vraiment, t'es un trou de balle, Alexandre Gothique. T'es vraiment un. Elle est aspiration à la connaissance aussi. C'est génial. Et elle va à l'université. Il y a Lucie. Lucie Deschamps. Papotons avec Lucie. Et après, on ira saluer Sonia. Parce que je pense qu'on a des choses à se dire. Et après, on ira acheter du café pour notre maman. Parce qu'on a vraiment plein de choses à lui dire là. Vraiment là, là, on en a gros sur la patate. Vas-y, raconte-lui le bordel qui se passe à la maison là en ce moment. S'il vous plaît, parlez des vrais trucs. Oui, on s'en bat les couilles de l'école, c'est bien. Et si je racontais des ragots? Il parle de sorcellerie. Pourquoi tu parles de sorcellerie, mon con? Ouais, alors c'est Lilith sympa qui a perdu une baston contre Angela. C'est bien, on est tous très contents. Ah, ça y est. Il parle du mariage de son père. Ah oui, maman, il faut que tu reviennes, c'est terrible. Les mathématiques. Oh, tu me casses les couilles, Alexandre. Et on va lui demander de former un groupe occasionnel juste pour s'amuser. Comme ça, on la ramène à la maison avec nous. Sandra Gothic, elle avait eu une fille qui s'était mariée avec cette meuf dans mon ancien let's play. Attends, du coup, je m'excuse parce que j'ai eu une erreur fatale tout à l'heure. Du coup, j'ai. Il s'est levé quand elle est arrivée. Super. Je disais que du coup j'avais eu une erreur fatale en tournant l'épisode et que du coup j'avais arrêté parce que j'en avais marre. Et je reviens ici en ayant un peu perdu le cours des événements. Servir de la nourriture. Alors, servir le déjeuner. Ah, on sait pas faire grand-chose. On sait pas faire grand-chose. Je pense que là, Dina, elle a envie de acheter une voiture. Elle a envie de sécure et de servir à Gray pour essayer de se faire bien voir. Putain, leur mariage, c'est vraiment. Mais n'importe quoi. Il a 62 jours, ça veut dire qu'il va certainement pas mourir dans cet épisode. Éteins-moi ça. Je sais pas du tout quoi faire. Non, mais c'est une blague, il y a encore des tombes qui ont disparu. Bah, il n'y en a plus une seule. Bah, comme ça, c'est pas compliqué. Attends, on va en mettre des fausses parce que, quand même, ça reste le manoir gothique. Gagner une compétition de jeu. Est-ce qu'on a un ordinateur?
Mais même pas, en plus les gothiques ils ont pas d'ordinateur. Je sais pas comment on est passé de 500 000 simflouz à ça, je n'ai pas de réponse à vous donner. Alors ordinateur, on va mettre un ordi gaming dans la chambre d'Alexandre pour faire croire que c'est à lui, mais en réalité, goût pour les jeux au maximum. Vladimir veut se réfugier dans les jeux d'argent. Oh non Mimi, oh non, sa vie elle est triste en vrai. Il y a une espèce de bruit chez moi là, je comprends pas ce que c'est. Parce que j'ai déménagé dans... Tiens, va discuter avec Kérine Hébert. Peut-être que, en fait, vous vous comprendrez, que vous pourriez devenir très amies. Parce que vous êtes toutes les deux les rejetées du quartier. C'est vrai ça. Devenez besties, allez. Oui, du coup j'ai déménagé, j'habite désormais en coloc. Je tourne quand ma coloc n'est pas là car je suis très très gênée par mon activité. Mais je pense que je serai plus à l'aise dans les semaines qui viennent. J'essaye de boire mon thé sans que ma tasse ne tape ni dans mon micro ni dans mes lunettes. Oui c'est ça, donne-lui de l'argent pour qu'elle t'aime bien. Merde, attends. Oh là là, vite. Faut que je trace ma route parce que y a le story progression. Je sais que je peux le désactiver en jeu mais j'ai la flemme de me pencher sur le problème. Et nous, on est devenus potes avec Kérine Hébert. Oh non, Aloïs, il est tout par terre, tout pas bien. On va organiser l'anniversaire de Aloïs. Et puis, on est les gothiques quand même, donc on va peut-être essayer de faire ça correctement. Ah, mais ça pleut! Comment ça, il y a des gens qui viennent pas? Oh, sa mère. Non, mais éteignez-moi ce film. Arrête de boire! Oh, on est devenus amis proches avec Arnaud Deschamps. Va nourrir les poissons, va nourrir les poissons. Ils rentrent bientôt les gueux. Ah, y'a la Sonia gothique. Arrête de sauter dans les flaques. Bah dis donc Karine. Oh mon dieu. Mais Karine arrête. Oh Jennifer elle se taille. Aloïs je le vois bien beau gosse comme ça là. On va la persuader de flirter avec Vladimir. Je pense que Alexandre il a quelque chose derrière la tête. Aloïs n'a que la peau sur les os, mais c'est pas mon problème. Ah, elle est pas contente, Dina. Ah. Alexandre il est content parce que tout se passe exactement comme prévu. Cet anniversaire restera dans les annales. Score final de la fête, sympa. Bah super. Hop là, tracez vos routes. Est-ce qu'on pourrait pas laisser Aloïs se lever par hasard? Non mais Vladoche, il veut que jouer à des trucs, genre. Oh, il y a Sonia dans mon salon. Qu'est-ce que tu fais là, Mimi? Mais trop kiki. Ah. Ah, il était en train de perdre, il a recommencé. Proposer d'emménager, non. Ah, elle parle de sorcellerie. Ça fait déjà deux fois qu'elle parle de sorcellerie. Est-ce que quelqu'un connaît une sorcière? Il peut pas faire une seule fois beau. Pourquoi y a Brenda à sec devant notre maison? Ah mais c'est la pote à Dina. Aloïs il va se faire pipi dessus là. Qui c'est la connasse qui lui a pas acheté de peau? C'est moi. Pas discuter avec Brendoche. Non, les cubes de construction, vraiment trop nuls. Ah, je déteste. Parler de passe-temps. Bah va discuter de tes passe-temps avec Sonia. Non mais sans déconner. Ah, elle est pas contente. Oh bah allez-y hein, si vous voulez. En vrai, pauvre Dina. Alexandre, non! Mais Alexandre! Super, attends, j'ai pas fait le dé. Je rappelle que si le dé tombe sur 6, la dame est enceinte. Je me suis pas cassé la tête plus que ça. 5. Oh mon con. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Qu'est-ce que tu fais? Mais. Va... Qu'est-ce que tu fais? Maître Aloïs se lit. Apprendre le bonheur à long terme. Non, mais moi je voulais que tu deviennes pote avec la sorcière. Allez, ici on va grailler avec Brenda. Mais arrêtez de ruiner la famille! Oh non, ça suffit, hein. Laisse-la tranquille. Elle est partie, Sonia. Bon, on va la réinviter. Apprendre à conseiller les couples. Ouais, bah t'en as bien besoin, mon con. Oh là là. Oh, regarde-moi les cons. Super. Faire crac-crac en public, mais Vladoche. Engager un réparateur pour réparer quoi? Éteignez-moi tout ça. Éteignez-moi tout ça. Oh my god. Pourquoi il y a des déchets partout ici? Ils sont cons quoi? Ah, il a réussi. Vladoche, il a envie de faire crac-crac en public et d'inviter un sim pour un date. Donc on va inviter la Sonia, hein, bien sûr. Sonia gothique pour un date.
On va aller à la piscine, parce que je sais qu'il y a un photomaton là-bas. Fantastique. Oh, il y a Sandra! Elle a envie de faire crac-crac en public aussi. Il lui fait une blague sur la justice. Prendre une photo avec Sonia. Bah, c'est parti, hein. Pourquoi il n'y a plus de soleil là d'un coup? C'est l'effet famille gothique, c'est ça? On va prendre une photo romantique. Youpi. Et puis après, on va faire crac-crac dans le photomaton. Allez, let's go, c'est parti. Super, super. Elle en a marre. La serveuse, elle en a marre qu'il y ait des gens tous les jours qui détruisent le photomaton de la piscine. Allez, c'est parti. Embrassez-vous. Oh, la musique dans la piscine. En fait, dans cette piscine, on vient pour faire tout sauf de la piscine. Attends, j'ai pas fait le dé. Ah. Bon, ça va. Ils ont encore envie de faire crac-crac. Est-ce qu'on n'irait pas lui demander... Non. Demander dernier verre chez moi. Mais oh, arrêtez! Yes, c'est parti. On va saluer Sandra quand même. Sandra et sans couverture aussi. C'est Nina. Elle a perdu la castagne contre Jennifer Deschamps. Mais tout le monde a perdu la castagne contre Jennifer Deschamps là ou quoi? Ah, oh, trop kiki. Elle est trop bien cette petite salle de gym. J'y vais jamais. Ah, oh, ils se font la gueule de ouf. Alors, Vladimir rentre dans 4 heures. Alors, je pense que là, Dina, d'après les récents événements, elle sent que c'est la merde. C'est la merde. Alors, moi, je pense que ce qu'elle ferait, c'est que elle irait piquer 2-3 trucs et les mettre dans son inventaire. 2-3 petits trucs un peu chers par-ci par-là. Genre ça, là. Ça. Et puis l'aquarium, ça fait toujours plaisir. Et puis, elle irait donner des sous. Genre 70 000 simflouz à sa sœur. Parce que même si elle la déteste, ben ça reste la famille. Je pense que. Super. Je pense que c'est là-bas qu'elle va aller se réfugier si jamais elle se fait quitter par le Vladoche. Je pense qu'elle sent la catastrophe arriver, donc elle met de côté. Puis après, tu iras faire un câlin à Aloïs. Oh. Trop kiki. La pauvre en vrai. Le pauvre Aloïs, il va être détruit là. Ah, il y a Alexandre qui est rentré. On va aller jouer aux échecs avec Alexandre. Bon, bah du coup, on est de retour. Je tourne donc cet épisode en 3 fois. Je vais jamais y arriver. J'avais fait une pause dans le tournage parce que j'avais fait une intoxication alimentaire. Mais du coup, maintenant, ça va mieux. Ils sont rentrés les deux. Hop là, on va inviter la sorcière. Lui, il a envie. De faire crac-crac avec Sonia. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Ah, il y a ta copine qui est arrivée. La pauvre Dina qui graille son sandwich. Et ça y est, ça repleut. Ça y est, c'est parti. J'en ai marre. Bon, est-ce qu'on n'irait pas discuter un petit peu avec la méchante sorcière? Non, mais arrête de te réfugier dans l'alcool. Oh, pour une fois que... Eh, vas-y, c'est bon. Lui, on va l'appeler. Je disais, pour une fois que nos investissements financiers nous rapportent des trucs... Oh là là, mais non, mais c'est pas possible, mais... viens ici, sale con. Mais t'es même pas chez toi et tu fais la drama queen. C'est parti. Ah tiens, j'ai oublié de lancer le dé pour les deux cons. Cinq. Ok, t'as eu chaud. Alors c'est Mélanie Lenoir. Elle s'est fait refuser son premier baiser par Kevin Asek. Mais tout le monde le sait, ça, c'est vraiment un scandale. Oh, il y a que lui qui s'occupe d'Aloïs. Salut Dina, est-ce que Vladoche est disponible? Oui. Ouais, il vient de finir là, pourquoi? Dans le jacuzzi maintenant, mais quel gros dégueulasse. Poussée du doigt, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je veux dire, à part te piquer ton mari, bien sûr. Ça pleut plus? Mais si, ça pleut toujours, bien sûr, ça pleut toujours. Alors lui discutait avec l'entremetteuse, la voyante. Je pense que Vladimir, il est troublé par sa conversation mystérieuse avec la voyante et que il s'apprête à prendre une... Ah! Il s'apprête à prendre une décision radicale. Bonjour, je m'appelle Arnaud. Sonia m'a dit que vous vous étiez beaucoup amusé l'autre jour, alors j'aimerais aller au centre-ville avec toi. Ça te dit? Va te faire foutre Arnaud Deschamps, ça va pas la tête. Mais ça va le chalet?
devenir un loup-garou, mais ça va pas. Ah, mais la pousse pas dans le placard. Puis je pense qu'Alexandre, il est intéressé par la sorcellerie, donc je pense qu'on va lui demander de rejoindre la voie des ténèbres. Hop là. Vous pouvez maintenant emprunter la voie des ténèbres. Acceptez donc ce livre de sorts et ce chaudron en guise de cadeau de bienvenue. Oula. Plante pas, s'il te plaît. J'ai appris un nouveau sort, je ferais mieux de consulter mon livre. Yes, oh là là, il est trop beau le Alexandre Gothic en sorcier là. Mama, faut que je télécharge plus de vêtements de sorcier. Qu'est-ce que tu fais? Laisse cette barrière tranquille. Il lance un sort au portail, le con. Oh bah bravo, super, on avait vraiment besoin de ça, tiens. Sympatoche. Qu'est-ce qu'il fout le Vladoche? Ah mais ils sont en train de prendre un jacuzzi avec la sorcière. Et je pense qu'il est temps pour Vladoche de prendre une décision. Ça y est, la discussion avec la sorcière et la discussion avec la voyante, ça l'a fait réaliser qu'il en avait marre. Avec la musique du western, en plus, c'est pour me tuer. Oh non. Oh non, Dina. Oh, ils sont devenus ennemis. Ah, bah ça va, c'était un bon souvenir. Enfin débarrassé de cette loque, tant mieux, il ne me reste plus qu'à trouver quelqu'un qui me mérite enfin. Puis tant qu'à faire, on va essayer de placer le chaudron et le livre de sorts là-haut, mais j'ai flopé, il y a absolument zéro place. Et le bouquin de sorts ici. Oh, puis Vladoche, il veut devenir un sorcier maintenant, bah c'est parti. Oh non, il a des momies, des daddies. J'en ai marre de cette famille. Je veux partir vite. Attends, ça fait combien de temps qu'on n'a pas nourri le machin? Beaucoup trop longtemps. Super. Ah, on va l'appeler Pipoun. Il a envie de proposer quelqu'un à une date. Bah, Alexandre. Ça va pas la tête? Bah, on va proposer à... Elle est pas là? Elle est encore dans mon jacuzzi. On va lui demander un rendez-vous. Je suis désolée, ça a sonné chez moi et bah naturellement je suis allée regarder dans le trou de la porte jusqu'à ce que la personne parte. Ah, je connaissais pas cette personne, c'est bon. Ah, il commence direct. Ah, ça commence direct. Faire crac crac avec la Sonia, bah oui. Mais avant, je pense que Vladimir il est un peu au bout du rouleau. Il dit qu'il a plus trop de temps à perdre et il a envie que tout redevienne comme avant. Je sais pas ce que je suis en train de faire. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Oh, c'était un souvenir positif. Ils sont contents les deux. Je suis trop contente. Elle est contente alors que c'est une aspiration à l'amour. J'ai trop bien fait. Trop bien fait. Arrêtez, vous êtes dégueulasse. Trop bien fait. Ah, crac crac avec 10. Oh. Non, mais c'est bien. Parce que... bon, ça annule totalement le dernier épisode avec Sonia Gothic dans la forêt qui se planque, etc. etc. J'ai construit une maison pour rien, mais on est là. Ah non, il est coincé entre le bouquet de fleurs et les machins et les trucs. Je disais, ça annule toutes les petites storylines que j'avais prévues. Mais je me fais trop chier dans cette famille gothique. Je me fais trop chier. Et là, je suis un peu contente de comment ça fait. On va organiser le mariage des Gus. Peut-être à cause des 12 erreurs fatales que je me suis prise, que j'en ai marre de cette famille aussi. Hein. C'est un scénario qu'il faut envisager. La tenue habillée de la sorcière, la tenue habillée de la voyante. Oh non, c'est trop moche. Oh, je suis choquée. Aloïs, il est en train de crever pour changer. Kevin Asek ne fait plus partie des amis de la famille. Kevin Asek est à mon mariage. Mais vous êtes tous trop moches. Vous êtes tous trop moches. Non, trop kiki. Attends, c'est le mariage des gothiques et j'ai pas fait un truc de ouf. Quel scandale. Toi, mais est-ce qu'ils vont s'y asseoir même si je mets des fleurs? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce qu'elle fout ici? Personne ne change puisque tout le monde s'appelle déjà gothique. Oh, c'est un bon souvenir. Et elle a épousé un cime riche. Ah,
Bah non, vous allez pas directement dans le jacuzzi, non? Oh, y'a Cassie Gothic là-bas. Elle arrive, la gueuse. On va aller la réceptionner. Pourquoi Jennifer Deschamps, elle a changé de coupe de cheveux? Ah, mais parce que j'ai des default replacement, mais pas pour tout. Eh oui, parce que si on fait les choses à moitié... Oh, il est en maillot de bain parce qu'il a voulu aller baiser directement après. Ah putain, mais c'est la fin de la fête. Il faut faire les feux d'artifice, vite. J'ai jamais fait ça. Non, le bébé! Ah! C'est tout? C'est tout? T'es sérieux? C'est vraiment tout, genre? Mais c'est éclaté. Pardon? Mais quel connard! L'éclate totale, bah oui. Oh non, qui a cassé les chiottes? Eh, vraiment, ce lit, je peux plus me le saquer. Même ma voix, elle refuse de coopérer concernant ce lit. On va avoir un lit à baldaquin, en fait, ici. C'est ça que vous avez pas compris. On va se racheter des petites statues qui coûtent cher. Puis on va aussi approcher Aloïse du gâteau, comme ça, ce sera fait. Ah, les deux Ischlingues! Heureusement qu'Alexandre, il est là. Yes! Je les ai mis les deux dans la petite chambre, là. De toute façon, à l'épisode prochain, Alexandrie part à l'université. Bon, les deux, ils vont pas s'occuper des gosses, bien sûr. Ah, oh, c'est Jennifer qui l'appelle. Ouais, mais dépêche-toi, parce que là, j'en peux plus. Je vais en finir avec ce bordel de famille gothique, là. Oh, Aloïs, t'es trop beau! On enseigne à Cassie à aller sur le pot. Mettre Cassie au lit. C'est qui ça? C'est qui ça? Pourquoi ils nous détestent? Pourquoi tu nous détestes? Tu nous aimes bien en plus, mais quel trou de balle. Oh, mais c'est beaucoup trop kiki. Non, mais il est 2h du matin, tu penses pas qu'il faudrait peut-être aller dormir? Au lieu de faire des cubes, là. En plus, il en fout partout. Oh, alléluia. Ça y est, on est en automne. Oh, bordel. On va sans plus tarder retourner au quartier. C'est trop kiki avec toutes les petites couleurs d'automne. Alors du coup, vous avez vu, j'ai un peu rajouté du bordel par-ci par-là. On a bien avancé, on a fait pas mal de trucs malgré tout, malgré les les problèmes. Le mariage de Dina et de Vladimir est terminé. Dina s'est fait virer de la maison. Mais avant ça, elle a pu sécuriser un petit peu, envoyer de l'argent à sa sœur et piquer 2-3 trucs dans la maison. Donc en fait, elle n'est pas du tout à la rue, ça va. Et Vladimir a retrouvé sa petite Sonia gothique. Donc du coup, mon petit chalet dans la forêt part aux oubliettes, mais c'est pas grave parce que ça me va aussi. Je sais juste pas encore trop quoi faire avec Aloïs parce que pour l'instant, ses parents ont l'air de bien s'en battre les couilles. Ah mais oui, c'est vrai, on est devenu sorcier aussi. Notre petite Alexandre Gothic a fait ses premiers pas dans la sorcellerie. On s'y est pas intéressé beaucoup, mais peut-être que dans l'épisode prochain, j'essayerai. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah pas grand-chose. Mon pauvre petit chalet là, c'est triste. Je suis désolée d'avoir râlé. Je sais que c'est pas très agréable les gens qui râlent sur internet. Et de manière générale, j'adore ce que je fais. Enfin, c'est hyper rare que je m'amuse pas pendant que je tourne un épisode. Mais là... En fait, 8 erreurs fatales pour un seul épisode. Ça commençait à me courir sur le haricot, mais on a terminé. Et je suis très soulagée. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cet épisode. La prochaine, ce sera l'épisode de la famille Dourev. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye!